Alors, vous voyez, le débat, en fait, il est très élevé, en fait, la puissance. Je voudrais maintenant inviter le docteur Dieudonné Nyamankou, ici. Le docteur Dieudonné Nyamankou, voilà, docteur Dieudonné Nyamankou. Alors, pendant qu'il s'installe, vous êtes aussi historien, vous êtes écrivain, vous êtes conférencier, et vous êtes surtout un chercheur pluridisciplinaire. Docteur, vous êtes directeur des éditions d'Agan et du centre Dumas Pouchkine. Vous êtes consultant, vous êtes conférencier international sur les relations anciennes entre l'Afrique et l'Europe. Et aussi, vous avez fait une chose extraordinaire. Vous êtes à l'origine des travaux sur l'origine camerounaise de Pouchkine. Rien que ça. Alors, vos travaux ont mis fin à un siècle de polémiques avec la Russie. Il est assis à côté de moi. Je suis très fier de vous avoir ici. Et alors, votre exposé va porter sur les théories raciales européennes et sur le déni de la beauté aux Africains au 18e et 19e siècle. Le docteur Dieudonné Nyamankou. Je vous remercie de m'accorder la parole. Je suis tout aussi heureux que, je pense, tous ceux qui sont dans la salle d'être là ce matin, de participer à cette rencontre importante, hein, parce que effectivement, nous sommes aujourd'hui au XXIe siècle et nous sommes justement le produit de notre histoire. Nous sommes aussi le produit d'une histoire qui est l'histoire de notre rencontre avec d'autres peuples. Et pour ceux qui sont d'origine africaine, les 5 ou 6 derniers siècles ont été des siècles effectivement douloureux dans l'histoire effectivement de l'Afrique, de la rencontre de l'Afrique avec le reste du monde, mais en particulier dans l'histoire de la rencontre de l'Afrique avec l'Europe. Mais cette rencontre qu'on a souvent présentée comme la première fois en fait où des peuples africains ont rencontré des peuples européens est bien sûr historiquement fausse. Il suffit d'étudier l'historiographie des relations entre l'Afrique et le reste du monde, de l'Afrique avec l'Europe, pour s'en apercevoir. Les Africains n'ont pas découvert ou n'ont pas rencontré les Européens pour la première fois au XVe siècle, hein, lorsque en 1441 un navigateur portugais a accosté en Afrique et a rasié des Africains qu'il a ramené à Lisbonne au Portugal. Et selon des descriptions effectivement de l'époque, les habitants de Lisbonne étaient surpris effectivement de voir ces populations noires. Tout cela, en fait, l'histoire du monde se réécrit, et s'il y a une histoire qui a été réécrite et tellement de fois réécrite, notamment depuis le 15e siècle, c'est bien l'histoire des Africains. Et notamment, cette réécriture de l'histoire de l'Afrique s'est faite en particulier au 18e siècle et au 19e siècle. Et pourquoi cela se passe à cette époque-là? Cela se passe au XVIIIe siècle d'abord, principalement parce que, en fait, pour ce qui est de la présence des Africains sur le sol européen, jusque vers les années 1777, par exemple pour ce qui est de la France, on verra qu'il y a un tournant juridique majeur, parce qu'il y a toute une législation qui va être promulguée à partir du début du XVIIIe siècle jusqu'à cette période-là, avant donc la Révolution française, qui va légiférer sur le statut des Noirs sur le sol français métropolitain. Puisque la France, à l'époque, est une puissance coloniale, impériale. Elle a des colonies dans les Amériques, en particulier peuplées par une majorité d'Africains déportés vers ces territoires. Et un certain nombre d'entre eux vont être amenés, conduits sur le sol français par les maîtres, hein, les esclavagistes, les négriers de l'époque, quand ils viennent en vacances ou parce qu'ils les envoient apprendre des métiers. Et au bout d'un moment, on va considérer qu'il y en a un peu trop, hein, ces Noirs à Paris, en France, et on va légiférer sur leur présence. Et surtout, pourquoi? Parce que la plupart d'entre eux arrivant à Paris ou à Bordeaux ou à La Rochelle apprennent que la législation sur le sol français n'autorise pas l'esclavage. Donc il va y avoir des procès
Il va y avoir des procès et certains parlements vont légiférer et accorder la liberté à ces Africains. Le dernier procès retentissant en France où une femme noire, Henriette Lucille, je ne sais pas si vous connaissez son nom, va porter plainte contre sa maîtresse en s'appuyant justement sur cette législation qui interdit l'esclavage sur le sol de France. Ce dernier procès va se terminer en 1777. Cette femme gagnera son procès grâce à l'intervention du roi Louis XVI qui va intervenir en sa faveur et donc le Parlement de Paris lui accordera la liberté et aussi lui accordera le permis de rester à Paris. À partir de là, les choses vont changer. Qu'est-ce qui va changer ? En même temps que, bien sûr, dans les colonies, il y a un mouvement de révolte qui est permanent hein, depuis, bien sûr, que les Africains sont déportés dans les plantations négrières, esclavagistes. Mais on sait que des mouvements se préparent à Saint-Domingue en particulier, où il va y avoir, bien sûr, la grande révolution qui va permettre la libération de dizaines, de centaines de milliers d'Africains réduits en esclavage. Et donc, il va y avoir progressivement un retour dans les métropoles européennes de ces planteurs-là, ces riches planteurs qui étaient très influents dans les cours européennes et qui vont influencer la science naissante. Nous sommes au XVIIIe siècle et c'est le siècle qu'on appelle le siècle des encyclopédistes. L'un des premiers à se tourner vers des théories de classification justement de la nature et des espèces ou de l'espèce humaine ou des populations humaines, c'est le Suédois Linné. Linné, en 1753, qui va proposer une classification de la nature, de tout être vivant dans la nature, qui va influencer, en fait, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, nos modes de classification de tout ce qui est vivant sur Terre. Et à partir de cette classification-là, on sent donc en Europe ce souci de tout regrouper, de tout nommer, désigner, de rassembler et puis donc de classer. Une classification qui va se faire progressivement avec d'autres savants. Hein, en fait, en tout cas, dans l'histoire européenne, on les considère comme des savants, mais on peut avoir des doutes sur ces qualificatifs puisque on se rendra vite compte qu'il s'agit de pseudo-scientifiques qui, pour la plupart, ont construit des théories scientifiques, mais pseudo-scientifiques, mais qui vont influencer la vision des Européens du XVIIIe siècle, plus tard du XIXe siècle, et jusqu'à nos jours, sur le reste du monde, en particulier sur les Noirs. Et qu'est-ce qui va se passer ? Parmi, je vais me focaliser sur deux de ces savants, Kemper, qui est hollandais, et puis Blumenbach. Avant Blumenbach, il y a Kemper qui lui va être à l'origine de ce qu'on a appelé la théorie de l'angle facial. En fait, ces deux savants sont un peu les ancêtres de ceux qu'on va appeler plus tard au XIXe siècle les anthropologues. Et donc, ils sont un peu à l'origine de la science anthropologique qui, elle, va se focaliser au XIXe siècle justement sur le physique des êtres humains, en particulier sur cet aspect qui est celui de la dimension du crâne. On va se mettre à mesurer effectivement le crâne humain qui bien sûr est la cage qui contient le cerveau hein, qui est cet organe donc qui nous permet de réfléchir et donc à partir duquel on va faire des classifications sur l'intelligence humaine mais aussi justement sur la beauté, c'est-à-dire que la théorie de l'angle facial va permettre à Kemper de classifier les êtres humains selon que leur angle facial est plus élevé ou plus bas. Et donc, les Européens vont être classés dans la catégorie qui va être considérée comme la meilleure. C'est-à-dire que on considère à l'époque que le cerveau humain, bon, plus on a un cerveau plus grand, plus le cerveau est grand, plus on est intelligent. Et donc, si on a un cerveau petit, on n'est pas intelligent. Et donc, bien sûr, cette catégorie de la population humaine qui va être classée parmi ceux, justement, qui sont les moins intelligents, ça va être les Noirs. Et au niveau de ces théories,
il y a d'abord Blumenbach dont je parlais tout à l'heure, qui lui a un autre savant qui va lui se baser sur sa théorie à lui, qui va servir d'abord à créer ce qu'on va appeler plus tard des races humaines. Il va grouper les populations humaines en trois groupes. Les Caucasiens, donc ce terme qui va servir aujourd'hui encore aux États-Unis. Vous savez que les habitants des États-Unis d'Amérique sont classés par appartenance raciale. Et donc les Caucasiens sont les populations qui sont issues de l'Europe, donc d'origine européenne, donc à couleur de peau blanche. Les Caucasiens, les Éthiopiens, donc, sont ceux, les Africains. J'aimerais citer sa description de, justement, de la variété éthiopienne. La variété éthiopienne a la couleur noire, les cheveux noirs et frisés, la tête étroite, comprimée sur les côtés, les molaires protubérantes, de très grands yeux, le nez épaté, le front allongé, les lèvres épaisses. Tous les Africains appartiennent à cette variété, à l'exception de ceux du Nord. Donc, je parlais de trois groupes donc, qui classent les Caucasiens, les Mongoliens et puis les Éthiopiens. Les Éthiopiens sont en dernier, bien sûr. Les Mongoliens, donc, sont les groupes de population d'Asie. Il rajoute à ces trois groupes deux sous-groupes, on va dire, des groupes qu'il considère comme mélangés. Le groupe amérindien, qui est composé de mélanges entre les Caucasiens et les Mongoliens, et le groupe malaisien, qui est composé de mélanges entre les Éthiopiens et les Mongoliens. Blumenbach va avoir une dimension ethnocentriste, justement, de cette classification de l'espèce humaine. Il ne parle pas de race, il parle de variété de l'espèce humaine. Et dans sa vision ethnocentriste, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit que les Caucasiens ont en général une apparence que, selon notre opinion de la symétrie, nous considérons comme la plus belle et la mieux constituée. Nous arrivons là, justement, à un moment où ce processus scientifique de classification de la nature, de tout ce qui est vivant, est un processus normal, mais il devient dangereux à partir du moment où des critères d'ordre moral, esthétique, vont intervenir et où on va commencer à dire que on va définir des critères de beauté ou des critères d'ordre moral pour classer les populations humaines. Et il faut savoir aussi quelque chose d'important, c'est que à ce moment-là, on ne tient plus compte des particularités, des individualités, des différences entre les individus, puisque vous savez bien qu'au sein d'une même famille, bien qu'étant nés du même père et de la même mère, les frères et sœurs ont une variété et des différences entre eux. On voit bien dans les familles africaines on peut voir dans la même famille des enfants du teint le plus foncé au plus clair, que ce soit la texture des cheveux, elle est variée également chez les enfants. Donc les critères sont nombreux, que ce soit la taille de l'individu dans une même famille. Donc ces différences individuelles ne vont plus être prises en compte, puisqu'on va grouper les populations humaines en de grandes familles qu'on va appeler plus tard des races ou des groupes, ou d'abord pour Blumenbach des variétés, et plus tard donc sous le thème de race. Et pour donner un caractère plus scientifique justement à sa recherche, Blumenbach va étudier des squelettes humains. Il va faire une collection de squelettes humains et Camper va s'en servir également justement pour mesurer justement le crâne des individus dont les squelettes ont été conservés. Et c'est là qu'intervient ce terme de prognatisme ou prognatisme, puisque en observant la tête humaine, de profil bien sûr, vous observerez que jusqu'à aujourd'hui, ces théories-là gardent encore une influence très importante, puisque la façon dont on photographie un noir n'est pas la même dont on photographie quelqu'un qui a la peau plus claire ou blanche, et la façon dont on filme justement un noir n'est pas la façon dont on filme un blanc, généralement, si vous prêtez attention aux images qui sont véhiculées encore aujourd'hui, qui sont sous l'influence justement de ces théories raciales du XVIIIe siècle qui vont avoir leur apogée au XIXe siècle. Et donc, selon la théorie de Quimper, plus vous avez un angle facial élevé, plus vous avez un faible degré de prognatisme,
Et si votre angle facial est réduit, ben plus votre prognathisme est important, et donc vous vous rapprochez de l'animal. Et si vous vous rapprochez de l'animal, bien sûr, l'être humain qu'on rapproche le plus de l'animal, c'est le noir. Et donc, ces théories-là vont donc donner une assise pseudo-scientifique à l'idée selon laquelle l'Africain est proche justement de l'animal, contrairement à l'Européen, qui lui, bien sûr, a une forme de crâne différente et qui lui accorde une capacité crânienne donc plus grande, ce qui veut dire qu'il a une meilleure apparence esthétique, donc il est plus beau, et qu'il a une plus grande intelligence. Et donc, en conclusion, les Africains ont le plus petit angle facial et donc constituent une variété humaine inférieure. Et maintenant, il va y avoir un grain de sable dans ces théories-là, qui va démarrer à partir de 1786-1787, quand ces deux savants, d'abord Blumenbach, puis Kemper, vont découvrir dans un château allemand une peinture de quatre têtes d'Africains. Ces peintures, puisqu'on pensait que c'était quatre peintures, en fait, il s'agissait de peintures de quatre Africains différents. Et donc, en voyant ces tableaux, je pense que je vais me déplacer parce que je vais commencer à montrer quelques images que j'ai apportées. Justement, j'avais apporté quelques images pour montrer en fait l'expression donc par l'image de ces théories. Sur les mesures donc, du prognathisme et donc l'angle facial. Ces images sont extraites d'un ouvrage d'un autre anthropologue européen qui est français, il s'agit de Virey, qui aussi au XIXe siècle va exercer une influence importante sur l'image donc, des Africains, des Noirs en général, à travers donc, des stéréotypes qui sont fondés sur une base pseudo-scientifique, mais qui vont avoir une dimension totalement scientifique, puisque c'est ça qui va être en vigueur pendant longtemps, jusque pratiquement à la décolonisation, donc au milieu du XXe siècle. La première image, donc, c'est le canon de la beauté. Donc, selon justement ces naturalistes et anthropologues européens de la fin du XVIIIe et du XIXe siècle, c'est la première image. Pourquoi ? Parce que c'est l'image d'un Apollon grec. Donc c'est le canon de la beauté, on va le définir à partir de ce moment-là, à partir des années 1770-1780, par les représentations justement des Grecs. Et donc cette image-là est donc l'image qui représente un être humain qui a un angle facial qui correspond au canon de la beauté, c'est-à-dire un angle facial élevé avec donc un faible degré de prognathisme. Et donc vous voyez au milieu, ça c'est donc l'image qui est considérée comme caractéristique du nègre et qui est rapprochée donc de celle d'un orang-outan, donc un singe, un animal qui est montré donc en bas de cette image présentée dans le livre de Virey. Donc on peut aller à la suite. Encore, oui. Oui, donc ça, c'est l'image donc, d'une Vénus européenne. Et oui, c'est bon. La Vénus Anadyomène, qui est considérée encore comme donc, le symbole, le pur symbole de la beauté. Et donc, tout ce qui va, à partir de là, se rapprocher de l'Afrique, de l'Africain, va être considéré comme le contraire donc, de la beauté. Les critères de classification au départ, qui étaient des critères, de simples critères de recherche, de chercheurs qui cherchaient à comprendre, à classer les animaux, les êtres vivants humains, ces critères vont donc... il va avoir une véritable dérive, puisque effectivement on va attribuer des jugements d'ordre moral et d'ordre esthétique. Et donc on va définir des canons, des critères de beauté qui vont être exclusivement européens. À partir de ce moment-là, le nègre, la négresse, ne sont pas des êtres beaux, alors que, comme l'a rappelé tout à l'heure Jean-Charles Gomez, 2000 ans auparavant, 3000 ans auparavant, dans cette même Europe, les ancêtres des Européens, les Grecs ou les Romains plus tard, vont décrire qui, eux, ont été en contact physique permanent avec les Africains pendant des siècles et des siècles, ont toujours décrit ces Africains-là, ces Noirs-là,
comme les êtres les plus grands et les plus beaux. Et donc, vous voyez comment va évoluer justement la perception du noir par l'Européen à partir donc de la fin du XVIIIe siècle et particulièrement au XIXe siècle, où on va bien sûr donner une assise pseudo-scientifique à des théories. En plus, théories donc nées de travaux de savants ou de pseudo-savants qui, jusque-là, au moment où ils publiaient leurs travaux, n'avaient jamais rencontré d'Africains ou d'Africaines. C'est d'ailleurs pour cela que je parlais d'un grain de sable, parce que il va se trouver que Blumenbach va voir donc une peinture. Il y avait une peinture avec quatre têtes. Si vous pouvez la remettre, s'il vous plaît. Dans un château allemand, tout à l'heure, j'en parlais. Il va trouver une peinture qui est attribuée à Van Dyck ou à Rubens, dans laquelle il y a, sur laquelle on peut voir quatre têtes d'Africains. Et en observant de près l'angle facial de ces visages, il se rend compte que ils ont le même angle facial que les Européens. Et donc, du coup, Blumenbach est interpellé. Il se dit, voilà un Africain ou des Africains qui ont un angle facial européen. Autrement dit, ils ne sont donc pas... en fait, que peut-on en déduire? Et la question est posée à l'auteur de la théorie, Kemper, qui lui-même va voir ses tableaux, et il va être bien sûr embarrassé, mais il va trouver de façon très élégante, comme le dit l'historien allemand De Brunner, parce qu'il va répondre en écrivant à l'Académie de peinture d'Amsterdam, en leur disant, vous savez, les grands peintres, la plupart des grands peintres européens, parce que nous sommes là en 1786 ou 1787, quand Blumenbach et Kemper découvrent cette peinture attribuée à Van Dyck ou à... Alors, voilà justement cette peinture qu'on a intitulée, qu'on a appelée « Les quatre têtes d'Africains » ou « Quatre têtes de nègres ». On pensait, en fait, les Blumenbach et Kemper pensaient qu'il s'agissait de quatre Africains différents. Or, en fait, en réalité, il s'agit de la même personne. Et cette peinture a été faite soit par Van Dyck, soit par Rubens, en 1620, donc 150 ans, 160 ans, avant que Blumenbach et Kemper ne développent leur théorie et ne découvrent cette peinture. Et bien sûr, donc avant l'émergence de leur théorie raciale. Et donc, ils sont très embarrassés. Kemper, qu'est-ce que Kemper va répondre dans sa lettre à l'Académie de peinture d'Amsterdam? Il va dire, la plupart des grands peintres, spécialement Rubens et Van Dyck, ne peignaient pas des Noirs, mais des Européens peints en noir. Autrement dit, selon Kemper, il ne s'agissait pas là d'un Africain, mais d'un Européen qu'on a grimé de noir, qu'on a peint en noir. Effectivement, dans la peinture européenne, on peut trouver effectivement quelques représentations d'Africains où on se rend compte que le peintre n'a jamais vu de noir et il dessine donc un Européen, le visage qui lui a plus connu, et puis bien sûr avec une peau noire. On le voit parfois dans certaines représentations des rois mages, par exemple. Généralement, en fait, pourquoi? Parce que quand les Européens célébraient la Noël, ils reprenaient les rituels, en fait, de la naissance du Christ. Et donc, il y avait des comédiens, en fait, on peut dire des comédiens, qui jouaient le rôle des rois mages. Et donc, bien sûr, c'était des blancs qui se peignaient en noir. Et ce qui fait que certains peintres ont pu faire des peintures en peignant justement des rois mages, dont un blanc, bien sûr, peint en noir. Et donc, pour s'en sortir, c'est ce que Kemper va dire. Il va dire qu'il s'agit là, pas d'Africains, mais d'Européens qu'on a peint en noir. Or, ce qu'il ignorait peut-être, ou ce qu'il a fait d'ignorer, c'est que Van Dyck, Rubens, Rembrandt aussi, Rembrandt, 40 ans plus tard, en 1661, je pense qu'il y a une autre peinture de Rembrandt, je crois que c'est celle qui est juste en... celle qui est juste en dessus. C'est une autre peinture de deux Africains réalisée par Rembrandt en 1661. Donc on est encore 125 ans avant que Kemper et Blumenbach découvrent ces peintures dans ce château allemand. Et donc Rembrandt, Rubens, Van Dyck,
ont Dürer et d'autres peintres néerlandais ou allemands donc du siècle ou des siècles précédents ont rencontré des Africains. Et donc ce sont des peintures faites à partir d'Africains réels. Et donc on se retrouve là dans des considérations qui sont totalement fausses. L'autre exemple que je voulais donner, qui est l'autre grain de sable, pour l'un des savants, c'est parce que Kemper va mourir, il est mort en 1789, donc 2 ans après. Il est né, lui, en 1722, mais Blumenbach est mort en 1840. Et lui, quelques mois après, il va voir des amis en Suisse, dans la petite ville d'Yverdon. Et sur le chemin, le conduisant à la demeure de ses amis, il aperçoit une femme devant lui qui marche, une silhouette féminine. Il trouve cette silhouette gracieuse, cette femme très belle. Quand il se rapproche d'elle, il l'interpelle, il se met à lui parler en allemand. La jeune femme se retourne, il est stupéfait de découvrir que c'est une noire, une négresse, comme il dit. Et il ne comprend pas parce qu'il trouve qu'elle a une silhouette, une taille totalement en proportion, en fait, selon leurs critères, justement, les canons de la beauté qu'ils étaient, ses autres confrères naturalistes et lui, en train de développer. Il était persuadé que c'était une femme blanche qui était en face de lui. Et quand celle-ci s'est retournée, il se rend compte que c'est une négresse. Et donc, il est plus que surpris, d'autant plus qu'elle lui répond en allemand. Et donc, il ne comprend pas. Alors qu'on est à la période où ils sont en train de développer des théories pour dire que les Noirs, bien sûr, sont proches des animaux. Ils ne sont pas intelligents. Ils ne sont pas beaux. Et voilà qu'il rencontre, pour la première fois de sa vie, une vraie Africaine. Et celle-ci entre totalement en contradiction avec les théories qu'il était en train de développer, notamment celle de Quimper qu'il soutenait pendant un moment. Il parle avec elle, il se rend compte que cette jeune femme travaille justement dans la maison où il se rend. Il l'accompagne donc chez ses amis et il prend des informations sur elle. Il apprend qu'elle est née à Saint-Domingue. Quelques années avant, puisqu'on était en 1787, cette femme est née en 1770, donc elle avait 17 ans. Elle est morte vers 1800, donc assez jeune quand même. Cette rencontre va bouleverser ce savant, Blumenbach, puisqu'il va parler longuement avec elle. Ses parents, étant nés de parents nés en Afrique, avaient des connaissances sur l'Afrique que lui avaient transmises ses parents. Et donc Blumenbach va s'informer auprès de cette jeune femme sur elle, sur Saint-Domingue où elle est née, où elle a grandi, et sur l'Afrique que lui a transmise ses parents. Et il faut dire que cette rencontre a joué un rôle important puisque dans la vie non seulement de Blumenbach, mais aussi de toutes les théories, puisqu'il va changer complètement de point de vue et il va changer son regard sur les Africains. Et donc, si quelques années auparavant, dans sa description des variétés humaines, il décrivait d'un point de vue ethnocentriste l'Européen comme étant le groupe humain le plus intelligent et surtout esthétiquement le plus beau, correspondant au canon de beauté grec qu'ils avaient défini avec d'autres, il s'est rendu compte que cette théorie était fausse et que cette rencontre avec cette femme va lui permettre de changer son regard sur les Africains. Je pense que je n'ai plus de temps. Et donc, je vais terminer sur cela. Pour dire ceci, pour dire que donc, beaucoup de théories qui ont été échafaudées à cette époque-là, au XVIIIe, au XIXe siècle, étaient donc de pseudo-théories scientifiques, étaient parfois, effectivement, certains de ces scientifiques, là, ces pseudo-savants, y croyaient effectivement. Ils pensaient qu'ils étaient dans le vrai, qu'ils défendaient des théories fondées. Mais souvent, même quand ils voulaient donner une assise scientifique à leur recherche en justement examinant des squelettes et des crânes, il y avait des manipulations qui étaient faites en fait, les crânes qui étaient étudiés, les squelettes qui étaient étudiés, étaient spécifiquement choisis pour pouvoir corroborer les thèses qui avaient été échafaudées à l'avance. Et il faut savoir aussi que les planteurs, hein, les propriétaires d'esclaves qui revenaient des colonies, surtout dans ces années 1780 avec la révolution de Saint-Domingue, les planteurs français en particulier vont perdre énormément de leur fortune avec la libération des esclaves, et que dans les Amériques, les négriers et propriétaires d'esclaves aussi vont avoir peur de perdre tout.
Et donc, ils vont financer la recherche. Ils vont financer des savants. Il y a un savant suisse du nom d'Agassiz qu'on a fait venir d'ailleurs dans les planteurs nord-américains ont fait venir aux États-Unis au milieu du 19e siècle, justement pour qu'il échafaude des théories pour continuer justement cette version selon laquelle les Noirs justement sont des êtres inférieurs aux Blancs et qu'ils sont portés naturellement à être des esclaves et pour justifier et pour permettre justement que l'esclavage des Noirs puisse durer le plus longtemps possible. Il y a tellement de choses à dire sur ces questions-là. Je pense que pour terminer, il faut revenir à l'histoire et dire tout simplement que il y a un portrait qui est en couleur, justement, qui est la couverture, oui, c'est celui-là, qui est la couverture d'un livre. Vous voyez là un portrait d'Africain. Il s'agit de Adolphe Badin. C'est un Africain qui a vécu à la cour de Suède au XVIIIe siècle, qui est un des Africains, un des hommes les plus influents à la cour de la reine Louise Ulrique de Suède au milieu du XVIIIe siècle. Vous le voyez, il joue aux échecs. C'était quelques années avant justement que ces théories dont je parlais sur les races humaines ne prennent un essor et justement et ne remettent en question la place justement des Noirs dans l'histoire, la place des Noirs dans les sociétés européennes et que bien sûr on confine les Noirs plus tard à ce qu'on va appeler des zoos humains puisqu'il y a des images où on voit justement des Noirs qui sont mis en cage avec des singes. Pour montrer que les nègres, effectivement, sont des animaux. Et donc, il nous appartient aujourd'hui de travailler encore plus sur ces questions-là, de montrer, en fait, les contradictions qui existent, effectivement, dans l'histoire, et surtout de montrer que la vision des Européens et des Africains, celle d'aujourd'hui, n'est pas celle, effectivement, du 19e siècle ou du 18e siècle, mais surtout, ce que celle du 18e siècle, du 19e siècle, n'est pas la vision la plus ancienne que les Européens aient pu avoir ou pu construire sur les Noirs, puisque leur vision la plus ancienne sur les Noirs, qui date il y a 2000, 3000 ou 4000 ans, était une vision de respect, d'admiration pour les Noirs. Je vous remercie de votre attention. Docteur Yamankou, vous savez, vous nous faites aimer l'histoire. Je pense qu'on aurait eu des enseignants comme vous. Je pense qu'on aurait eu de meilleures notes à l'école. Je retiens cette théorie de la théorie de l'angle facial. Excellent. Et je retiens aussi, en gros, finalement, que les catégories ne sont pas la réalité et que, de toute façon, finalement, nous sommes peut-être un peu plus influencés qu'on ne le pense. Peut-être un peu trop.